Et bienvenue à toutes et à tous sur Little Duo pour ce nouveau let's play du vendredi. Donc j'ai choisi un jeu de type normalement Zelda-like, d'après ce que je sais. Eh bien, voyez-vous ça, une île tout entière qui sent l'aventure à plein nez. J'espère que cette odeur est bien celle de l'aventure. Il y a un marais pas loin. L'odeur de merde que ça doit être. On s'en fiche, allons explorer cette vieille caverne sordide. Bien, je vais faire une sieste dans le bouton Tipsy. Appelle-moi si tu as besoin de moi. Ok, le bouton Tipsy, il est là. Tipsy Tips. Hein? On vient tout juste de s'échouer sur cette île et tu as déjà besoin de mon aide. Allons explorer cette caverne. Assure-toi de lire tous les panneaux à l'intérieur. Ok. D'accord, j'ai une carte et je peux zoomer dessus. Ça c'est sympa. Ça, ça fait rien. Okay. Pas de reste. Caverne du débutant. Bienvenue aux aventuriers. Je peux même pas aller sur le côté. Bon bah on va par là alors. Waouh, bien. Il y a un interrupteur au sol pas loin d'ici. D'accord, ok, c'est bon, c'est déjà fait. Marche vers certains blocs pour les pousser. Allume cette torche avec ton bâton enflammé pour ouvrir la porte. Personne ne passe. Vous ne passerez pas. N'essaie même pas de frapper le cristal magique qui dort là-bas. Tapez sur des trucs jusqu'à ce que l'énigme soit résolue. Compris. Des portes et des barrières pour obtenir des indices sur comment les ouvrir. Ah d'accord, ouais, d'accord. Oui. Donc je fracasse ça. Et ça, voilà, ouvrir, et ensuite il faut que je fracasse lui. Ok, alors ça, c'est dégoûtant, c'est un cœur. Où tu trouvais ça? Il est en train de bouffer le cœur comme ça. J'adore. J'adore déjà. Je sais pas, j'adore. C'est juste ça. Par terre. Bon, je sais pas ce qu'il y a par terre. J'ai soufflé dessus. Sur les deux interrupteurs en même temps. Je peux appuyer sur le deuxième. Ah, je suis sorti juste au-dessus. Il y a des fleurs. Au nord, il y a le château, à l'ouest, les collines et à l'est, les marais. Sauf que de toute façon, c'est fermé par des blocs, je peux aller au nord. Clairière désertique. Oh, une maison. Bonjour. Tan Shop. Regardez-moi tous ces bidules. Une aventurière, je suis. Tan Carver. Tous ces objets, je les ai fabriqués. Même l'espadon. Surtout l'espadon. Alors que toi, de quoi as-tu besoin?
Un radeau, s'il vous plaît. Je préfère ne pas m'éterniser. Il n'y a pas d'aventure dans le coin. Bien sûr, mais qui en a? C'est de loin l'île la plus aventureuse que tu n'auras jamais vue. Je vais te dire, je te construis un râteau gratis si tu me ramènes un objet qu'on appelle l'artefact. Il se trouve dans le château au nord. En attendant, je parie qu'il y a plein d'or dans le château. Va en chercher et achète-toi quelque chose. Ouais, je peux même me balader. Sceptre de glace, 400. Sceptre de portail, 300. Épée de feu, 200. Ok. Ah ouais, si je ressors de l'autre côté, ça me mène bien sur le côté. C'est sympa ça. Ça doit être le château. Le château! Waouh! Trop bien. Je sais même pas comment on sauvegarde. On va commencer ça. Ça sauvegarde peut-être automatiquement, enfin j'espère. Fais tes courses chez Ethan. Ouais, faut allumer les bombes pour que ça explose. Ah, mais quoi que. Ouais, ça va pas assez loin. Ça dure pas assez longtemps. Tu vois cette zone derrière les piques? C'est ici que je surveille. Ok. T'as de la chance que je surveille pas par ici en ce moment, sinon j'aurais dû te demander avec ma lance. C'est ça la sécurité du château? Il fait la même gueule que... Je dis il, mais c'est elle, c'est une fille, hein. Ils font tous les deux la même gueule que les statues. Les ennemis, là, je peux pas. Ah, là, je peux les tuer. Aller plus loin, lui. Ah, ça éteint les flammes. Cette porte s'ouvre depuis l'autre côté. Oui, je l'ai déjà fait. Attention, j'arrive. J'ai tué tout le monde, je crois bien. Les bombes et les torches d'or n'est pas une de vie que pour ça. Ouais, le problème c'est d'arriver à l'allumer. Quelque chose en dessous pour ça là. Direct 200, et si je veux je peux aller acheter les pêches chez le marchand. Ça fait quoi? Le jardin de téléport. Ok. Quel bâtard! Il nous fait payer pour nous envoyer à l'endroit où est l'épée.
dans le volcan. Ici, raccourci professionnel. Une flèche qui va par là-haut, je vais pas en bas. Oh, l'épée de feu va à l'ouest. L'épée de feu, elle est où? Elle est là. J'imagine qu'à partir de maintenant, c'est comme si ton bâton était en feu en permanence. Tu peux faire fondre la glace, allumer des feux, des torches et tout ça. Nice. J'ai déjà fait sans ça. Ok. Très bien, très bien. Oh, j'avais l'épée juste en dessous. C'est pas ce que je voulais faire. Essayer de pas me foutre dans le... Ça y est, je viens de comprendre. C'est la première fois, je crois que c'est la première fois que je vois ça, faut tout éteindre au lieu de tout allumer. Les bombes peuvent être poussées, ouais ça je vais trouver hein, tout seul. Sûr, faut que ça fasse des travaux au moment où... Aïe. Aïe. La glace traverse les pics. Ok, j'ai compris. Merci pour la vie, ça fait du bien. C'est nourri, là. Pas compliqué ce qu'il a dit.
Ok. Aucune idée ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Exact. La fille, elle est absolument hyper méga détendue. Il n'y a rien qui la choque. Moi non plus. Non plus. Oui. Et s'il s'en approche pas dès qu'elle est allumée et que dès que je l'allume il s'éloigne, je risque pas d'arriver à le tuer. Ah, voilà. Aïe. C'est deux pancakes maintenant. Après, je ramasse les cœurs tout de suite. Mince. Genre. Bref, c'est déjà pas mal, hein. Revenir en arrière. C'est un morceau de papier. Scotche-le à ta barre de vie et trouvons-en d'autres. Fort, les donjons ne contiennent aucun objet ou coffre que vous pourriez manquer. Sûr de ça? Pourtant, dessus, je sais pas si on peut changer d'étage. On peut changer d'étage. Il y avait une porte qui était fermée. Il y a un truc là. Volcano Express, carte 15 sur 26. Même les romans policiers détestent la vitesse. Ils tournent en rond dans des wagons alors. Quoi? Tu veux dire que toutes les cartes qu'on trouvera ne vaudront rien? Voilà comme des vitamines, elles sont là juste pour le goût. Ok. Caverne légendaire sud-est du château.
bien ce ronflement. C'est la caverne légendaire? Et encore une statue. Quoi de neuf, ça te dit de traîner avec la fille la plus cool du monde? Attends, Ethel, tu es une fille? Qui se pose la question seulement maintenant. Il manque clairement du stuff là. Énigme 1 sur 12, c'est parti. J'ai pas ce qu'il faut. Clairement. Et mince. Donne-moi un cœur. Voilà, merci, très bien. Tu fais ce qu'on fait ce que l'on dit. C'est top. On le touche à chaque fois, hein. Il me touche, je suis mort. Ou pas. Ah oui, moi je viens de la grotte postée, c'est ça. J'arrive à envoyer un truc de glace ici. J'aime bien le système de recommencer la carte. Je vois pas comment faire. Non. Je sais pas. Si on a qu'on des idées, vous mettez-moi ça en commentaire. Et je vais tout simplement arrêter là, mais je suppose que je vais revenir en marchant d'abord. Encore une grotte. Avec des bombes cette fois-ci. L'autre. Je peux pas du tout passer à travers les pics en fait, ça me bloque vraiment le chemin. Ok. Alors où est-ce que je retourne? Nord-ouest. Sud-est, château. Là il y a encore une cave. Tu vas par là comme s'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose, faudrait juste trouver le bon chemin. Voilà, comme ça. Bon, c'est la prochaine fois. Hein.
Désactiver vos châteaux. Ça me les a désactivés automatiquement. Bon, et bien voilà. J'espère que ce premier épisode de Little Jew vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. À me mettre dans les commentaires comment résoudre l'énigme avec les blocs de glace si jamais vous avez une idée. Une proposition, hein, même si vous n'êtes pas sûr, hein, n'hésitez pas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de notre aventurier. Salut tout le monde! Hey, watch out!